Prophétie. Obama et la bête. L'Antéchrist. Rêve en 1er septembre 2009. C'était une révélation du Seigneur Jésus. Avant de dormir, je lui ai demandé de me révéler quelque chose que les gens ont besoin de l'entendre et pour les avertir. Puis, dans la nuit, j'ai eu mon rêve. J'ai vu dans mon rêve, j'étais dans une organisation des Nations Unies, mais cette Nations Unies n'était pas comme nous le savons. C'était comme des Nations Unies qui représentent les religions et la foi, de sorte que j'étais censé de représenter mon pays. Donc, je me baladais dans cette organisation des Nations Unies. J'ai vu beaucoup de temples. Puis, j'ai vu un temple adorer Satan, une messe et grande cérémonie, et les odeurs de l'encens. Il y avait trop de monde à l'intérieur du temple, faisant l'éloge et en train de glorifier le Satan. Puis, j'ai vu une chambre à côté de ce temple. Il y avait un homme se préparer pour la cérémonie. Il faisait le nœud de sa cravate. Il était Obama. Je suis entré dans cette pièce et je lui ai dit que j'ai entendu dire que vous êtes la bête. Et vous donnerez la marque de la bête 666. Il a répondu, oui, je suis la bête, et je prie une heure tous les jours à Satan. Alors j'ai continué un temple chrétien. Il y avait des gens en train de discuter sur des sujets chrétiens, et j'ai vu des gens qui venaient du temple de Satan. Il venait pour les persécuter. Alors, faites-vous attention et ne vous prenez pas sa marque ou l'adorez. Vous serez condamnés à tout jamais. Dans l'Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 11, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges. Et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse, chapitre 16, verset 2. Le premier à la Il versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. La bête, l'Antéchrist, dans Apocalypse, chapitre 13. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, « Certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. »